Les autres frais et dépenses liées à la représentation des obligataires. Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Nous avons vu précédemment qu'en droit, deux catégories de frais impliquant les représentants de la masse des obligataires devaient être supportées par la société. Il s'agit 1. Des frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires, ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse. Et la société sera tenue d'en faire l'avance. Et enfin, deuxièmement, il s'agit encore des émoluments des représentants de la masse des obligataires. Les autres frais et dépenses décidés par l'Assemblée ou exposés par les représentants seront à la charge des obligataires. Cependant, le juge pourra bien sûr décider sur une contestation des obligataires. Mais il pourra être exigé du tribunal que cette contestation des obligataires soit jointe aux dépens du procès. S'agissant toujours de ces autres frais et dépenses décidés par l'Assemblée ou exposés par les représentants, l'Assemblée doit déterminer la manière dont ils seront couverts. L'Assemblée pourra décider qu'ils sont avancés par la société, mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires, nous indique encore la loi. Toutefois, dans ce cas, le montant de cette avance ne pourra excéder le dixième de l'intérêt net annuel. Enfin, il pourra bien entendu être contesté sur l'opportunité ou le montant de l'avance, et c'est le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, dans le ressort duquel la société a son siège, qui statuera sur requête des représentants. Les parties ayant été entendues ou dûment appelées. Pour aller plus loin, article 470-8, alinéa 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées, qui dispose: les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires, ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont supportés par la société qui est tenue d'en faire l'avance. Article 470-8, alinéa 1 de la loi du 10 août 1915. Fin de la citation. Vous pouvez aussi vous reporter à notre précédent article, les frais liés aux âgés, les obligataires et à l'accomplissement des actes conservatoires, qui est l'objet d'un podcast numéro 147 et d'une vidéo numéro 136. Ensuite, article 470-8, alinéa 2 de la loi de 1915, qui dispose: les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en demander la taxation au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège. Article 470-8, alinéa 2 de la loi 1915, fin de la citation. Ensuite, vous pouvez aussi vous reporter, toujours dans la petite section pour aller plus loin, la prise en charge des émoluments de la représentation de la masse des obligataires. La prise en charge des émoluments de la représentation de la masse des obligataires. Podcast numéro 148 et vidéo numéro 137. Enfin, article 470-8, alinéa 3 de la loi de 1915, qui dispose: les autres frais et dépenses décidés par l'Assemblée ou exposés par les représentants demeurent à charge des obligataires
sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d'une contestation à laquelle les obligataires sont partis de les joindre aux dépens du procès. L'Assemblée détermine la manière dont ils seront couverts. Elle peut décider qu'ils seront avancés par la société, mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En pareil cas, le montant de l'avance ne peut excéder le dixième de l'intérêt net annuel. En cas de contestation sur l'opportunité ou le montant de l'avance, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, dans le ressort duquel la société a son siège, statue sur requête des représentants, les parties ayant été entendues ou dûment appelées. Article 470-8, alinéa 3, de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée. Bertrand Mariot, à très bientôt. Dernière petite chose, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer donc sur le like sur YouTube et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mariot Avocat. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup, à très bientôt et excellente fin de journée.